elle va avoir son bac bientôt, hein. Elle est en classe TES 2, c'est ça. Elle se destine à faire une fac de droit à partir de l'année prochaine à Poitiers, c'est ça. Et elle souhaite embrasser la carrière d'avocate. Et vous allez l'entendre, je pense qu'elle a de bonnes prédispositions pour ça. Et je pense qu'elle a déjà un parcours qui est tout tracé de ce côté-là. Voilà. Tiens, si la parole, que tout le monde voit bien. Hein, okay. Ça va? Ça va. Bon, je vais lui laisser la parole parce que c'est ce qui est le plus important, c'est pas moi. Hein. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai. Tu as. Il a, nous avons, vous avez, ils ont. Mais il y a aussi je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Quelle est la différence entre ceux qui ont et ceux qui sont ? Peut-on avoir et être en même temps? Est-ce possible? Cette question reste fréquemment sans réelle réponse, sans réelle prise de position. Il est très difficile d'en cerner l'issue, car sa réflexion est circonvolutoire. Alors, essayons quand même d'en apporter une ébauche avec ce que nous propose André Gide. André Gide, écrivain français de la fin du XIXe siècle, qui, malgré son parcours chaotique, puisait une forme de pensée protestante, peut-être due à son éducation. Il nous dit, et c'est le sujet qui nous habite, « Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. » Cette citation étant issue des Nouvelles Nourritures. Avant de restituer cette phrase dans son contexte, la formule si répétitive de ma grand-mère résonne en moi. Elle me disait: ici, on arrive tout nu et on repart tout nu. Donc, on arrive avec rien et on repart avec rien. Cela peut permettre une lumière, un éclaircissement dans le contexte de l'écrivain. En préambule à ce paragraphe, il nous dit: c'est dans l'abnégation que chaque affirmation s'achève. Tout ce que tu résignes en toi prendra vie. La possession parfaite ne se prouve que par le don. Et moi, dans tout cela, j'irai plus loin. Je dirai le don de soi. Mais j'y reviendrai à la conclusion. Savoir donner, cela imprime chez vous quelle réflexion? Faut-il savoir donner avant de recevoir? Sans doute, pour savoir donner, il faut avoir reçu une certaine éducation. Mais pas n'importe laquelle, celle du partage. D'ailleurs, on la retrouve dans l'humanisme, dans la laïcité, dans la religion, puisqu'elle nécessite la tolérance, mais ensuite l'égalité, incluant la notion de partage et d'échange. Ceux qui n'ont pas compris cette notion, ou ceux qui n'ont pas pu l'acquérir, ne peuvent pas savoir donner. Néanmoins, un autre avait déjà compris cette problématique. Il s'agit de Molière dans l'Avare. Il nous dit dans une réplique célèbre: que la peste soit des avarices et des avaricieux. L'avare est donc celui qui a accumulé des biens, des propriétés, de l'argent, mais qui se refuse à le dépenser. Il soupçonne toutes les personnes qui convoitent ses biens. Mais pourquoi donc? Parce que l'avare est un intuitif. Il sent toutes les personnes qui ont besoin. Alors il se protège en anticipant ce refus qu'il va nourrir. Il vit dans la peur. Il regarde toujours à droite, toujours à gauche, toujours derrière lui. Il soupçonne tout le monde. Il distille même une paranoïa dans son esprit. Mesdames et messieurs, n'avez-vous jamais rencontré un grippe-sous dans votre vie? Ah, j'oubliais. Il y a également le radin. C'est celui qui va trouver toutes les raisons les plus improbables pour ne pas donner, pour ne pas confier, pour ne pas prêter. Mais le radin n'est pas forcément avare. Il peut être tout simplement mesquin. Sachez que
que certains rabbins peuvent savoir donner, oui. Mais ils ne le feront que par le biais de l'aumône, et non de la charité. Ils ne donneront que par pitié en raison d'une certaine notabilité. Alors, on peut dire que le rabbin ne sait pas réellement donner, mais pourtant il possède. Dans un autre domaine, qui est celui de la religion, le Christ dit « Ego sum, je suis ». Et l'opposé au Christ dit « Ego sum qui sum, je suis celui qui est », donc la matière. Finalement, quel est le mieux ? Être avant d'avoir ou avoir avant d'être ? J'ai, mais je ne suis pas, ou je suis, mais je n'ai pas ? Dans notre société de consommation, nous voulons avoir sans vouloir être. Nous achetons, nous acquérons, nous possédons. Mesdames et messieurs, vous êtes-vous posé ces questions ? Aujourd'hui comme hier et demain, de quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je besoin pour être heureux ? Alors s'il vous plaît, osons. Osons espérer que la fin matérielle de toute activité humaine ne soit pas la consommation. Il ne faut plus être si l'air de la société consumériste. Souvenez-vous, Nelson Mandela, Sœur Emmanuel, ou encore l'abbé Pierre, on les a tous à l'esprit. Ils ont su vivre pour le but de l'existence, non pour eux-mêmes, mais pour les autres, dans un objectif, l'amour du prochain. La raison, c'est que l'être humain existe pour aimer l'autre comme il s'aime. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à en recevoir. Même saint François d'Assise apporte un écho au-delà de soi. Il a su par son apostolat que l'on pouvait même donner jusqu'à son manteau. L'important étant le geste. Celui qui s'est même donné jusqu'à sa vie pour son prochain a compris le sens de la vie. Nous pouvons aussi retrouver ce don de soi dans la religion musulmane. Il est dit que nos pulsions physiques sont au service de l'amour, dans le don de soi, à l'autre et pour l'autre. C'est-à-dire que la pulsion physique est maîtrisée dans le sens positif et harmonieux. D'autre part, nous pouvons acquérir ce don de soi par la charité. Mais qu'est-ce que la charité ? La charité, c'est la générosité, c'est la gratuité, c'est l'ouverture aux autres, c'est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien du prochain. La clé, c'est le vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. André Gide nous dit « Mon bonheur est d'augmenter celui des autres. J'ai besoin du bonheur de tous. » Pour être heureux. Alors allez-y, faites comme lui, partagez à tous les niveaux, en donnant de votre temps pour donner aux autres. La charité et le don de soi ne seront jamais perdus pour ceux qui la font et pour ceux qui la donnent. Merci de votre attention.